Salut tout le monde, bienvenue chez Nomad Snowboard. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur les erreurs classiques que l'on retrouve en snowboard. On va s'attarder sur une erreur qui est de rider avec le buste en avant. Allez, tout de suite la suite en images, c'est parti. On assiste là à une démonstration de virage frontside, donc sur les orteils. Pour ce qui est du virage talon, un autre tutoriel est déjà disponible. Et nous allons alors nous concentrer sur la position du rider. Sur l'image 1, le snowboarder essaye de toucher la neige avec sa main, ce qui entraîne une forte inclinaison du dos, contrairement à l'image 2. La deuxième différence majeure est la position des jambes, avec les jambes complètement raides sur l'image 1 et une flexion des chevilles et des genoux sur l'image 2. Ce qui finalement induit sur l'image 1 une position de snowboard avec peu d'angle sur la neige, donc peu d'accroche, une glisse plutôt en dérapage avec peu de contrôle. À la différence de l'image 2, où l'angle du snowboard sur la neige implique une bonne accroche et donc un meilleur contrôle. Apprenons alors tout de suite comment obtenir cet angle avec le snowboard, comment anguler. Alors de nouveau, nous allons du simple au compliqué et nous retournons sur du plat un petit moment pour revoir cette position de base. Mettez alors votre snowboard à plat, vos pieds à plat, fléchissez les chevilles, les genoux et avancez votre bassin bien au-dessus du snowboard. Dans cette position, vous pouvez ressentir le contact de vos tibias avec la languette de vos boots, une tension dans les cuisses, une tension musculaire dans les cuisses et une tension musculaire dans les abdominaux. Pour le virage frontside, on va donc exagérer cette position en avançant les genoux au-dessus de la carre orteil, ce qui va nous permettre finalement d'appuyer sur les orteils tout en gardant le dos droit et éviter cette mauvaise habitude que l'on retrouve chez beaucoup de riders comme on peut le voir sur cette photo. Avant de continuer, je tiens à vous préciser que toutes ces informations et ces schémas sont disponibles gratuitement en téléchargeant l'ABC du Snowboarder 2.0, dispo en description. Vous y trouverez également différentes aides et astuces comme le choix et le réglage de votre matériel, mais également différentes stratégies, techniques ou organisationnelles pour vous aider dans votre progression. Transférons maintenant ce qu'on a vu sur le plat avec la position de base en situation de dérapage car orteil sur la piste. Plus on avance les genoux et le bassin au-dessus de la carre orteil, plus on obtient de l'angulation du snowboard, tout en gardant le dos droit. Ici, le snowboarder exagère le mouvement afin que cela soit démonstratif. Bien évidemment, dans votre cas, entraînez-vous progressivement afin de vous habituer. Faites très attention et restez vigilant car la position inverse avec les jambes tendues, les fesses en arrière et le dos incliné en avant est la position responsable des fautes de car sur les talons. Car comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, les talons viennent alors en contact avec la neige. On continue alors la progression afin de transposer les sensations ressenties et cette position dans l'enchaînement de vos virages. Rappelez-vous, vous devez bien ressentir le contact de vos tibias avec les languettes de vos boots, une tension musculaire dans les quadriceps, voire même dans les abdominaux lorsque vous avancez bien vos hanches au-dessus des orteils. Amusez-vous jusqu'à maîtriser cette position en changeant la vitesse, en changeant les pistes, en changeant la taille de vos virages, etc. jusqu'à pouvoir passer au niveau supérieur. Et oui, bien sûr, quand il n'y en a plus, il y en a encore. On peut continuer à s'amuser et à progresser simplement en exagérant ces mêmes mouvements d'angulation que l'on vient de voir. Une astuce très importante est d'essayer de rapprocher les genoux arrière de la neige tout en évidemment gardant le dos droit comme on l'a vu précédemment. Il sera bien plus fun et plus facile d'accès de vous entraîner sur une piste de type piste bleue comme sur cette vidéo. Amusez-vous, mettez en place toutes ces astuces et ces techniques, et lorsque vous le sentez, je vous invite à visualiser le tutoriel sur le body carve, l'extreme carving, l'euro carve, etc. Vous m'aurez compris.